Alors, évidemment, on lui a dit, ce qui est important, c'est ce qu'ils ont retiré de cette journée. Ce n'est pas tellement ceux qui ont assisté, mais ceux qui vont regretter ne pas avoir assisté, qui vont pouvoir aller sur le site web, voir le compte-rendu, retrouver les enseignements, peut-être même cette année voir des vidéos, des photos et un compte-rendu de la journée. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Attaquer au clergé et à leur conseil de pastoral. Trop de musiciens se découragent en raison d'un certain milieu de travail qui ne valorise pas leurs efforts, ne sollicite pas leurs compétences et pense donc à côté d'un incroyable potentiel artistique qui pourrait être mis au service de leur paroisse. Ainsi s'installe un cynisme de la part des musiciens qui se contenteront souvent de faire le simple minimum. Notre association a besoin de nouveaux membres. Notre conseil a besoin de 109, entre autres, pour mieux faire connaître ce que nous promouvons, sensibiliser les paroisses à l'importance d'investir dans la qualité musicale de leur rassemblement.
Et la qualité étaient deux choses qui souvent étaient en contraste. Vous chantez pour l'association des musiciens liturgiques du Canada. De mes espérances, lorsqu'il a eu à composer la cantate pour l'arrivée des Ursulines en 1997, il a composé la cantate, ou dans le fond une messe, et à l'intérieur de la messe, il a regreffé son Gloria Modestol.